Regardez-moi cet œuf. Regardez-moi ce qu'on nous a livré dans cette semaine, ce qui vient d'arriver. Oh là là là, je sens qu'on va avoir du fun. Mais avant ça, on va d'abord découvrir ce qu'il nous faut faire dans le Forzaton de cette semaine. Un monstre du rallye. Il faut prendre un monstre du rallye. Il va falloir faire 20 prouesses de drift au frein à main. Ou drift ultime, ça va beaucoup me plaire ça, je le sens, 15 étoiles sur les zones de vitesse, bon ça c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Remporter 3 épreuves sur Terre, ça vous connaissez la musique, vous savez comment ça marche. On va regarder ça en détail. Dans le Forzaton, qu'est-ce qu'on a acheté? Alors là, la R5 Turbo, celle-là j'en ai 32 en stock. La Hoonigan, ça par contre c'est sympathique, ça par contre je veux bien prendre. Et ouais, le souci c'est que là il me reste plus assez pour en prendre une seconde. Les vêtements je les ai, super tirage, tout ça on verra plus tard. Mais en tout cas il faut que je me reprenne une seconde bagnole parce qu'à mon avis elle vaudra le coup celle-là. Donc on va se prendre un monstre de rallye pour faire nos défis hebdomadaires, notre Forzaton hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez vous aussi envie de conduire cette petite Trident qu'on découvrira un petit peu plus tard parce que tout simplement c'est le jour du Forzaton et c'est pas le moment de découvrir la Trident. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, au moins c'est clair. On fera peut-être un tour avec, mais très 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 bref. Alors ensuite on va donc récupérer notre bagnole. Monstre du rallye, la classe qu'il faut prendre. Regardez un petit peu ce que j'ai dans mon garage. Vous me direz ce que vous avez, vous, dans votre garage, s'il y a plus de choses ou pas. D'ailleurs, il y a des choses intéressantes et il y a des choses que j'ai même en double, d'ailleurs. Ah oui, mais ça, c'était la bagnole qui était dans le Forzaton Shop précédemment. Donc, on va pouvoir la vendre. Ah oui, alors celle-là, les Beetle. Ah, celles-là, elles sont exceptionnelles, ces bagnoles. Mais je vais pas prendre ça. Non, je vais prendre... allez, une petite Ford Fiesta, je pense que je vais prendre ça. Quoique la RS, non je sais pas, franchement j'hésite. Si vous pouviez me conseiller, vous auriez dû me conseiller. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pris comme bagnole, d'accord? Donc une fois que vous prenez la bagnole, ça débloque le premier défi. Là on est en train de faire le drift, comme vous pouvez voir. Mais je drift, mais comme un malade, comme un dieu, comme un pro. Mais vous avez le droit, pour le drift vous avez le droit de vous foutre de moi dans les commentaires. C'est autorisé, c'est totalement autorisé. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Donc vous voyez, si même moi j'arrive à force de drifter comme ça par à-coup à débloquer ces prouesses, tout le monde peut le faire. C'est que vraiment tout le monde, absolument tout le monde peut le faire. Je le fais sans aucune grande conviction, mais malgré tout je le fais. Parce que pour moi, c'est un devoir de faire ce Forzaton, c'est un devoir de débloquer ces points de pro. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie, n'empêche, c'est incroyable. Wow. C'est pas passé loin. Et alors, le nombre de fois, parce que on voit le compteur qui grimpe quand on fait du drift, mais alors le nombre de fois où je me suis chopé quelqu'un et que j'ai tout perdu, c'est un petit peu con. Là, en tout cas, c'est débloqué, c'est fait. On est tranquille, déjà pour ça au moins. Alors, vous avez vu, dans le pass de voiture de cette semaine, il y a une Silverado qui est sublimissime. Celle-là, on la regardera plus tard. Et il y a la pile Trident, donc de 1965. La plus petite voiture qui puisse exister sur cette terre, sur cette planète. Regardez-moi l'engin. N'empêche, c'est quand même assez fun. Alors, après, il va falloir trouver ce qu'on va pouvoir faire avec. Ça, c'est encore une grande question. Mais j'ai déjà 2-3 idées. En tout cas, quelques petites créations qui ont déjà été faites. Donc ça ne tarde pas, il y a déjà des trucs comme ça, n'hésitez pas bien sûr à proposer des choses aussi pour cette voiture. Et on a 3 couleurs d'origine. Ah mais si je la mets en blanc, à mon avis elle se fondra dans le décor. Tu peux faire une partie de cache-cache comme ça sur la map. Non allez, on va garder quand même le rouge, c'est quand même un truc un petit peu plus voyant. On va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette bagnole. Non mais c'est ridicule, regardez-moi cet engin est totalement ridicule, ça n'a ni queue ni tête. C'est, regardez-moi la motorisation, c'est du grand n'importe quoi. Et alors quand t'es dedans, non mais c'est horrible. Non mais le bruit ne ressemble à rien du tout. Ça monte à 60 km. Waouh, le mec il va... Non c'est bon, je croyais qu'il allait me détruire en passant. Ça monte à 62, 63, 4. Oh là, mais ça accélère. Wow. Mais dites-moi,
Ah, oh, c'est ridicule. Franchement, ma merde. Oh la vache. J'ai failli me manger le camion. Ah, le mec, il m'aurait pulvérisé. Mais vraiment pulvérisé. Totalement et intégralement. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire un Goliath avec cette voiture. Hein, on va voir ce que ça va donner en termes de temps. Mais je pense que ça peut être assez original. En tout cas, oui, cette voiture est ridicule. Je vous le confirme. Bon, allez, on a nos zones de vitesse à faire. Oui, j'étais en train d'essayer d'éviter les bagnoles sur la route. Alors, ça sert à rien puisqu'ils sont transparents. Et quand même, depuis le temps, je devrais le savoir maintenant. Depuis le temps que je ponce ce jeu. Bon, donc, zone de vitesse, ça, c'est bon. Idéalement, vous n'êtes pas obligé de remplir les 3 étoiles. Moi, j'ai un souci. Enfin, j'ai un souci. Non, j'ai pas vraiment un souci. Mais mon problème, c'est que j'ai débloqué toutes les zones de vitesse. Tout est à 3 étoiles. J'ai tout fait 3 étoiles partout. Donc, c'est déjà plus compliqué de voir où on gagne des étoiles et où on n'en gagne pas. Le plus simple pour vous, si vous n'avez pas débloqué toutes les 3 étoiles sur les zones de vitesse, prenez des zones de vitesse que vous n'avez justement pas encore faites. Et vous, comme ça, vous liez l'agréable à l'utile. Ça vous permet d'avancer dans vos quêtes d'étoiles sur votre map et ça vous permet en même temps d'avancer dans le Forzaton. Voilà, c'était le conseil du jour. Envoyez-moi vos dons, bien évidemment. Me remercier. Voilà, donc on va essayer d'avancer là-dessus. Là, j'ai regardé sur cette portion-là. Bon, elle est très très simple à faire. C'est pas prise de tête. Et en gros, je gagne 2 étoiles à chaque fois. Donc, je vous laisse faire le calcul. 15 divisé par 2 fois 12 multiplié par 4, 36. Enfin, voilà. Vous faites votre calcul et puis vous arrivez comme ça à trouver le nombre de fois qu'il faut faire cette course, tout simplement pour débloquer ce défi hebdomadaire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vraiment rien du tout. La voiture, elle est vraiment super agréable à conduire. Enfin, moi, je trouve. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et vraiment, là, voilà, que ce soit de jour ou de nuit, n'ayons pas peur. Allons faire ce défi et on va débloquer ce troisième défi hebdomadaire pour pouvoir passer enfin à la suite et aux choses intéressantes. Donc ça, c'est fait également. Voilà, vous me direz le temps que vous avez mis pour faire ce Forzaton. Moi, en général, je mets à peu près 2 heures pour tout faire. Et là, le plus intéressant, c'est ça maintenant. Ce sont les courses. Enfin, des courses. Et la voiture, elle est super agréable à conduire. Le son est pas dégueu. Et si vous désactivez toutes les aides, ce que depuis que je suis un drifter professionnel, je fais maintenant régulièrement, et ben vous avez des sensations de glisse sur la neige qui sont vraiment super sympathiques, vraiment agréables. Et c'est vrai que cette saison change complètement de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et ouais, elle est vraiment belle. Alors vous allez risquer de voir sur Twitter et ailleurs un maximum de photos. Parce que c'est vrai que je prends beaucoup beaucoup de plaisir à me balader sur la map en hiver et à faire un maximum de photos. Voilà. Alors je précise, hein, les courses, il faut les gagner. Il faut pas simplement participer, il faut pas simplement terminer. Il faut les gagner. Voilà. Donc prenez les devants. S'il faut mettre les drive atar en mode débutant, mettez-les en mode débutant. Je ne sais plus en quoi ils sont là. Expert, je sais plus, je sais plus trop. Mais mettez-les en mode débutant, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous planter et de débloquer votre défi hebdomadaire assez rapidement. Je ne les mets pas en imbattable, parce que j'ai pas envie de galérer. Mais par contre, effectivement, je sais plus, expert peut-être, ou un truc comme ça. Ce qui est bien agréable. Et c'est vrai que là, la sensation de glisse est plutôt sympa. Et là, on est au nord de la carte. Donc automatiquement, il y a plus de neige ici. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné des sprints plutôt que des circuits d'ailleurs. Parce qu'en plus, j'aime bien comme ça voir, et surtout là-haut, regardez-moi ça avec le soleil. C'est superbe. Allez, on va bientôt terminer également cette course. Et on va pouvoir débloquer notre dernier succès, enfin notre dernier défi pour récupérer un nouveau 200 points de force, 200 forces à ton point pour pouvoir acheter des trucs intéressants. Voilà, voilà qui est fait, voilà ce qui achève ce Forzaton, ces défis hebdomadaires, défis quotidiens, ça a été fait aussi, comme ça, c'est plié, tout est réglé. Et dans le Forzaton Shop, bah ouais, qu'est-ce que je fais? Je m'en prends une ou je m'en prends... Ah ben non, j'ai plus de place dans mon garage. Il est encore une fois plein, donc ça va être un petit peu galère. En tout cas, on va faire un petit tour avec la bagnole. On va essayer encore de profiter
de faire quelques drifts maintenant que je suis un professionnel. Et puis surtout de récolter énormément de points de prouesse. Parce que comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, le souci c'est que j'ai vraiment tout dépensé. Et que maintenant il faut remonter à 999 points de prouesse pour l'appliquer sur chacune des véhicules, chaque véhicule qui est dans mon garage. C'est vraiment pour moi l'objectif. Ce sera comme ça que je finirai le jeu, en ayant toutes les bagnoles et en ayant tous les points de prouesse sur chacune des voitures. Ça fait monter également l'affluence, donc faut pas hésiter, il faut y aller. Allez-y, allez-y. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, moi j'ai perdu tous mes points. Allez, on se quitte là-dessus. Amusez-vous bien, farmez bien, récupérez tous vos fonds à ton point. Allez, à ciao.